et plus de vagues à laver, et puis regardez, le grand rideau écarlate va se lever. Une fille intimidée vient pour vous raconter la vie, l'amour, la tendresse et les chantiers. Chaque soir c'est le miracle, c'est le début du spectacle. Comme c'est difficile de bien le présenter, les lumières et leurs arcades ben c'est un peu tôt, les chats sont pas là, c'est le matin et ils ont l'habitude de venir sur la terrasse l'après-midi. Alors ben je vais prendre mon petit déjeuner, puis je crois qu'on descendra les voir et passer un moment avec eux. Bien sûr, j'aime aussi les chiens, j'aime aussi la compagnie des petites biquettes, j'aime les lapins, j'aime les oiseaux, j'aime même les vaches, je trouve très rigolotes nos bonnes vaches avec leurs bons gros yeux. Mais je ne peux pas avoir tout ça dans un appartement à Paris, je trouve que ce serait les faire souffrir. Je vais vous présenter cette petite famille. Harmonie, qui est la mère des autres. C'est la fille de Daisy, la siamoise, avec le chat musicien, Bohème, Angora, Noir et Blanc, Félix. Harmonie a fauté avec son fils pour faire Bibiche. Alors Bibiche, qui est la plus jeune, qui est restée naine et qui est très effrayée des humains. Sa sœur, Bobo, sa grande sœur, est tout aussi créative qu'elle, mais on peut quand même l'approcher et l'apprendre. Et les deux mâles, alors, sont les deux plus aimés de mes amis et de la maison. Et ils connaissent très bien leur qualité. Bébé est persuadé qu'il est un playboy. Il gonfle le poil, il roule. Dédé, c'est celui qui a le grain de beauté. Dédé est très gentil et je trouve qu'il se laisse bien faire par son frère. Alors ça donne des rixes et des castagnes pas possibles. Il est très mignon, il est très joueur. Je suis même arrivée à le dresser et à faire rire tous mes copains en faisant mon numéro de cirque avec lui. Je lui jette des boulettes de papier et il les ramène comme un chien. Et je me demande s'il ne croit pas qu'il est un peu chien, ce chat. Oui, pourquoi les chats? Eh bien parce que je crois que c'est un rapport très proche de moi, avec mon enfance. J'ai grandi dans un village en Haute-Savoie. Et évidemment, les enfants dans un village ou dans les granges ramassent les petits chats perdus, les ramènent à la maison. Et j'étais vraiment une grande collectionneuse de petits chatons. Je suis restée longtemps sans avoir de chat. J'ai perdu un chat que j'ai gardé pendant 9 ans, pendant ma scolarité. Et je l'aimais beaucoup, il s'appelait Zazou. C'était un chat gris cendré angora. J'avais justement trouvé dans un petit chemin. Puis quand je suis rentrée de l'école, à 18 ans, il était mort. Personne n'avait osé me le dire. Et puis je suis venue à Paris et puis j'ai cherché un métier, donc j'ai commencé à faire ma carrière. Et puis un jour, à force de dire à tout le monde que j'aimais beaucoup les chats, un ami est venu dîner et puis il avait quelque chose dans sa veste. Et c'était une toute petite siamoise de 2 mois que j'ai appelée Daisy, qui avait des ravissants yeux bleus. Et elle était très mignonne, avec des bonnes griffes, parce que le siamois c'est quelque chose de particulier. Puis quand elle est devenue jeune fille, j'ai cherché un monsieur pour la marier et faire des petits. Puis j'ai pas trouvé de siamois dans mes relations qui puisse la contenter, parce que tout le monde castre les chats, surtout dans les villes, c'est normal, parce que sinon on aurait des chats tous les 3 mois. Alors je lui ai fait rencontrer un chat galérien de musicien, un gros angora noir et blanc qui s'appelait Félix. Et puis ils ont vécu ensemble durant tout un été, pendant une tournée d'été, et je suis rentrée, j'ai eu des magnifiques petits chatons que vous connaissez, qui ont grandi et qui font partie intégrale de la maison. Et depuis 5 ans, je vis chez eux. Voilà. Pour vivre avec des chats, eh ben, faut aimer la nature, faut aimer les plantes, faut aimer que vivre à peu près simplement, avoir un sens normal du confort, avoir des meubles qui ont une âme plutôt qu'une réelle valeur. À partir du moment où j'ai pris la responsabilité d'avoir 5 petits animaux, enfin des petites bêtes comme ça, bah tant pis, il est interdit de mettre des fleurs sur le piano parce que ça, alors si je rentre le soir, je trouve le pot de fleurs par terre, l'eau qui est tombée dans le piano. Je passe 2 heures avant de m'endormir à sécher toutes les cordes parce que sinon elles vont rouiller. Et ils savent très bien qu'ils ont mal fait. Je le vois quand ils ont fait de bêtises. J'entre d'habitude, je les ai tous les 5 derrière la porte. Ils reconnaissent l'ascenseur. Et quand je ne les trouve pas derrière la porte, c'est qu'il y a une bêtise de fête. Et ils restent planqués, hein, je ne les trouve pas. Alors je respecte, je dis bravo les chats, c'est du joli. Et ils me font la tête 2 jours. En plus, c'est eux qui me font la tête. Quand on a plusieurs chats, on se rend compte dans leur vie qu'ils ont chacun leur propre tempérament et leur propre goût et leur propre façon de vivre. Ils ont chacun leur territoire. Moi, je connais tous les emplacements pour leur sieste. Et puis,
un autre n'a pas intérêt à prendre la place de l'autre. Bon, bébé, par exemple, lui, il aime la fourrure de mon lit et les coussins. Dès que je me lève, il prend ma place dans ma chambre et les autres chats ne peuvent pas entrer, ils se battent. Quant à Harmonie, la mère, elle regarde la télévision, elle adore ça. Dès le soir, elle se met ici, elle se met en plotte, regarde la télé, elle bouge, elle observe. Et ma secrétaire dit qu'Harmonie me reconnaît quand je passe à la télé, qu'elle entend ma voix, paraît qu'elle est complètement troublée, et qu'elle fonctionne, elle regarde, elle cherche, elle est très intriguée. Et je crois en plus qu'il est important avec tout ce qu'on dit sur la pollution et l'espèce de vie active et très rapide que nous avons dans les villes, c'est important d'avoir des rapports avec les animaux parce que de les voir vivre, c'est une très grande leçon. On apprend beaucoup de choses sur le plan sensibilité et ils nous donnent vraiment des leçons de tendresse entre eux. Ça y est, la musique éclate et je me sens acrobate. J'ai tellement...